ne décroche pas. J'essaye le portable de ma vie. Alors là, c'est mal me connaître. Mais non, je fais pas le coup. Qui ça? Messagerie. Continuez d'appeler sur tous les postes. Mais Virginie, je vais jamais draguer, Virginie. Le portable de Julie ne répond toujours pas. Ouais. Bon, on attend pas, on y va. Réponds, Julie. Réponds. Découverte de corps dans une piscine privée, un type d'une cinquantaine d'années. Qui l'a trouvé? Sa femme. La crime est alertée? Oui, Morand est déjà en route, avec ta légiste préférée. Mais Ali, combien de fois je t'ai dit qu'il fallait préparer ta mallette à l'avance? Ouais, je sais, mais là, j'ai pas eu le temps. Le temps, faut le prendre, hein. Si tu continues comme ça, tu décrocheras jamais ton grade de technicien. Non, sous ça, bébé. Agent spécialisé de recherche et d'investigation scientifique, mais ma mère, ça la fait déjà bien kiffer. On y est? On y est. Malik. Ouais, ouais, c'est bon, Marc. Allez, dépêche-toi. Excusez-moi. Je cherche Marc Venturi. Ah, il vient de partir en intervention. Ah bon? Mais je... Enfin, j'avais rendez-vous avec lui... là, maintenant. Ah, bah les interventions, ça prévient pas. Je peux peut-être l'attendre quelque part? Dans son bureau, en face. Sympa la déco. Salut, Morand. Salut, Venturi. Thierry De Castro, 58 ans, gros entrepreneur, milieu aristo. T'aurais pu faire boucler le périmètre. Écoute, fallait bien que les pompiers mettent ce pauvre type au sec. Eh ben, ça va être du propre. Messieurs, dames, s'il vous plaît, on laisse la place à la police scientifique.
Alors ? Tu confirmes la noyade ? Oui. À la palpation, les poumons semblent bien gorgés d'eau. Tiens. Pour la comparaison de diatomée. Ça doit être le blason de la famille, ça. Et ça, c'est quoi ? C'est profond ? C'est récent. Et provoqué a priori par un objet non contondant. Les lèvres de la plaie sont discontinues, accidentées. Bon. Tiens. Rien d'autre ? Pas pour l'instant. Ok. Bah, tu peux le faire rapatrier à l'IML, alors. Au fait, Marc. Ouais ? T'as oublié un truc ? Quoi ? Bonjour, Alessandra. Tu vas bien, Alessandra ? Bonjour, Alessandra. Echo ! Nathalie ! Pour un cliché, s'il te plaît. J'arrive. Ça pue l'alcool, hein. Ça ressemble à un verre ou ce qu'il en reste. C'est quoi, ça ? Diazépam en goutte. Kézako ? Bah, benzodiazépine. Un anxiolytique plutôt costaud. Tu peux me faire une petite macro, là, j'ai une superbe paluche. Quelle est la dernière personne à l'avoir vu vivant ? Vu, c'est vite dit. En fait, je n'ai pas vu Thierry ce matin. Je l'ai juste entendu. On s'est parlé dans l'interphone. Il devait être 9h. Peut-être un peu avant. Dans l'interphone ? Pour vous dire quoi ? Bah, Thierry et moi, on était associés. Et comme notre entreprise est en faillite, je devais voir le liquidateur judiciaire cet après-midi. Alors, bah, je voulais en parler un peu avant avec lui, quoi. Et tout ça au travers de l'interphone ? Non. Et quand j'ai sonné pour qu'il m'ouvre, je sais pas ce qu'il lui a pris. Il m'a insulté et il a refusé de me laisser rentrer. Il était déjà dans un sale état. Vous entendez quoi exactement par sale état ? Thierry buvait un peu trop ces derniers temps. Je vous remercie, monsieur. Vous pouvez y aller. N'oubliez pas de donner vos coordonnées à mon collègue là-bas. La femme et le fils. Le môme a vu son père ce matin à 8h30 avant de partir à la fac. D'après lui, son vieux était total destroy. Total destroy ? C'est texto ce que le môme m'a dit. Eh ouais, alcool et médoc, ça fait pas bon ménage. Alcool et médoc ? Quoi, il est en dépression à cause de sa faillite ? Ouais, et puis sûrement à cause de sa femme aussi. Elle lui a asséné le coup de grâce hier, il paraît, en lui annonçant qu'elle voulait divorcer. Alors putain, la dépression, ça fout vraiment les jetons. Mais madame de Castro, elle était où ce matin ? Chez l'esthéticienne, elle a quitté la villa à 8h15. T'as vérifié ? J'ai un institut de beauté entier prêt à témoigner. Non, pour moi, on a affaire à un suicide. Il a avalé toutes les saloperies qui lui sont tombées sous la main, histoire de pas se rater. Et puis après, plouf, la tête dans l'eau. Ouais. C'est une hypothèse. Une parmi d'autres. Vous vous intéressez à la structure chromosomique de l'ADN ? Oui, enfin non, je... Enfin, c'était juste histoire de patienter. Je suis désolé, j'étais... En intervention, oui, je sais. La rangée d'en dessous. Ah, vous êtes maniaque ? Non, juste rigoureux. Dans notre métier, c'est indispensable. Marc, je peux te parler une seconde ? Hugo, je te présente Julie Labro, notre nouvelle technicienne. À partir d'aujourd'hui, elle se joint à l'équipe. Bon, deux éléments nouveaux à propos du flacon de diazépam en goutte trouvé sur le bord de la piscine. Alors ? Les traces papillaires relevées dessus sont bien celles de Castro. Et à en croire une ordonnance trouvée sur place, ce flacon faisait partie d'un lot de deux flacons achetés hier. Oui ? Oui, je l'ai. Entendu. Oui, je vous envoie une équipe. C'était les diffs, un incendie dans un bar. Allez, je prends. Non, vous prenez. Bon, après vous, mademoiselle. Fabrique ? Ah, viens voir.
regarde. Ça, c'est le verre cassé retrouvé près de la piscine. C'est du verre fin, probablement un verre à cognac. Qui d'ailleurs n'a pas contenu que du cognac, mais aussi du diazépan. Et ça, c'est la simulation que je viens de faire ici. Même verre lâché sur une surface en bois similaire. Les éclats sont nettement moins dispersés près de la piscine. Ouais. Et en plus, près de la piscine, le verre n'a pas éclaté en étoile. Pourtant, même bois, même verre. Donc, le verre s'est pas cassé près de la piscine. Non. Et quelqu'un y a déposé les fragments pour nous le faire croire. Le feu s'est déclaré vers 2h du matin et les pompiers viennent seulement d'en venir à bout. Le type, c'est Bertrand Wolf, le propriétaire du bar. On le connaît bien, il a un casier sévère et pas mal d'escroqueries sur le dos. Ah, tu penses à un incendie criminel, c'est ça? Le bar est bien assuré. Wolf va toucher une somme coquette. Mais je vous ai pas fait appeler pour cela, il y a plus grave. Il y a des victimes? Une jeune fille. Tous les clients du bar ont resté à se tirer, sauf elle qui est restée bloquée. Elle est entre la vie et la mort à l'hôpital. On se retrouve à l'intérieur? Dites-moi, vous n'avez pas posé beaucoup de questions. Encore aurait-il fallu que je puisse en placer une? Tenez votre camisole. Et puis faites quelque chose avec vos cheveux longs. Vous allez nous en mettre partout. Écoutez, je n'ai pas besoin de vos conseils. Je ne sors pas de la maternelle. Je suis technicienne diplômée. Diplômée et susceptible. Eh bien, puisque vous savez tout, n'oubliez pas la sniffeuse pour les traces d'hydrocarbures. Toi, mon pote, il va pas falloir que tu continues à me chauffer, sinon ça va très mal se passer. Heureusement qu'il n'y avait pas foule, ça aurait été un carnage. Mais la jeune fille qui a été asphyxiée, elle était où? Par là. C'est là, devant l'issue de secours que les pompiers l'ont trouvée. Elle était peut-être aux toilettes quand l'incendie s'est déclaré? Je ne pense pas. Elle était simplement handicapée en fauteuil roulant, je me trompe? Non, comment tu sais ça? Là, il y a une rampe de passage. Et ici, il y a deux traces au sol. À la porte du bar, il y a des marches. Il n'y a donc que par ici que la jeune fille handicapée pensait pouvoir s'en sortir toute seule. Julie, apportez-moi la chercheuse, s'il vous plaît. À mon avis, ce sont les traces de mains laissées par la jeune fille quand elle a essayé d'ouvrir la porte. Mais pourquoi elle n'a pas réussi à sortir, c'est ce qu'il faudrait savoir. Contrairement à d'autres hommes dont les mystères restent impénétrables, je sais tout de celui-ci. Par quoi je commence? L'heure est la cause de la mort. Bon. Alors, l'analyse des diatomées est formelle. L'eau qu'on a retrouvée dans ses poumons était bien celle de sa piscine. Et à en juger par la température du corps, il a dû se noyer entre 9h30 et 10h. Et son taux d'alcoolémie? 3,5 g. Si on ajoute à ça la dose de cheval d'anxiolytique qu'il avait ingurgité, ça aurait suffi à le tuer. La noyade, c'était presque la cerise sur le gâteau. En imaginant qu'il soit tombé accidentellement dans sa piscine, dans l'état où il était, il aurait pu en sortir tout seul. Ça m'étonnerait. Enfin, on sait jamais. L'instinct de survie. Viens. Pour l'entaille, j'ai isolé ça dans la blessure. Jette un œil. C'est une fine particule de verre. Il s'est blessé avant de mourir. Et ça a dû beaucoup saigner. Il n'y avait pas de traces de sang autour de la piscine. Regarde. L'autre main. Il s'est arraché un bout d'ongle à l'index. Et sous tous les autres, j'ai retrouvé des résidus de bois. Ce qui tendrait à prouver qu'il s'est agrippé à la margelle. Et pour finir, des ecchymoses un peu partout sur le corps. Et l'épaule gauche luxée. Et à mon avis, ça doit être lié aux traces qu'il a sur les deux talons. Il n'est pas descendu tout seul à la piscine. On l'y a traîné. L'hypothèse du suicide a du plomb dans l'aile.
Cette porte fonctionne parfaitement. Écoutez, je pense avoir trouvé le point de départ du feu derrière le bar. Il y avait une bouteille d'essence de térébenthine près d'une vieille prise électrique. Il a suffi d'un petit court-circuit et paf. Je pense que je vais m'y faire. À quoi ? À vous. Qu'est-ce que c'est ? On dirait de la peinture. Ok, admettons que De Castro ait été assassiné. Ce serait quoi le mobile ? Répondre à cette question, c'est ton boulot, pas le mien. Moi, ce que je cherche, ce sont les preuves. Malik, que la lumière soit. S'est arraché à l'index de la main droite. Ça colle. Il a bien essayé de se retenir au bord de la piscine. Reste à savoir si quelqu'un l'empêchait d'en sortir ou non. On continue au révélateur. Pourquoi faire du révélateur ? C'est pas un crime de sang. De Castro s'est blessé à la main avant sa mort. Et d'après Alessandra, la plaie a dû saigner beaucoup. Or, c'est curieux, il n'y a aucune trace de sang nulle part. Et tu penses que quelqu'un les a nettoyés ? Ben, c'est ce qu'on va savoir tout de suite. Il n'y a plus qu'à jouer au petit pousset. Marc, Viens voir. Il y a d'infimes traces de sang, là. C'est sûrement là que De Castro s'est blessé à la main. Et c'est dans cette pièce qu'est tombé le verre. Le meurtrier n'a pas tout ramassé. De Castro a bu le verre. Il est tombé. Et puis il s'est blessé. Si on cherchait avec quoi le meurtrier a tout nettoyé ? Dans la machine, il y a quelque chose. Sors-le. On va étendre le linge. Berk. Il faut avoir fait combien d'années d'études pour savoir fouiller comme ça dans une poubelle ? Toi, t'en as assez fait pour venir m'aider. Impossible, je suis pas équipé pour. C'est ça, ouais. Il y a des taches. Mais c'est pas du sang. Moi, je parierais pour du liquide séminal et du sperme. Pas sûr que les deux Castro couchent encore ensemble. Entre eux, il y a de l'eau dans le gaz. C'est tout plein d'ADN, ces petites taches-là. Ils vont tout nous raconter. Bonne pioche. C'est la jeune fille handicapée. Vous pensez qu'elle va s'en sortir ? Ses deux poumons ont été gravement atteints par monoxyde de carbone. Le pronostic est incertain. Vous en avez pour longtemps ? Je ferai au plus vite. Moi, pourquoi elle s'est pas ouverte cette putain de porte ? Calmez-vous, Wolf ! On cherche juste à comprendre ce qui s'est passé. Racontez-nous tout depuis le début. J'étais en train de bosser normalement. Je servais au bar et dans la salle quand tout d'un coup, il y a eu comme une explosion derrière le comptoir. Et ça a pris feu tout de suite. Mais vous n'aviez pas d'extincteur ? Mais si, mais c'était trop vite, j'ai rien pu faire. Alors j'ai appelé les pompiers et j'ai fait sortir tous les clients. Ah non, pas tous.
Il y avait encore cette jeune fille handicapée qui, elle, est restée enfermée. Mon bar était tout ce qu'il y a de plus haut norme au niveau sécurité. Quant à cette issue de secours, mais je sais pas pourquoi elle est restée bloquée. Mais voyez ça, avec le fabricant de la porte. Ma collègue a trouvé une bouteille d'essence de térébenthine près d'une prise électrique en mauvais état. Si jamais on arrive à prouver qu'il s'agit d'un incendie criminel, vous allez vous retrouver au tribunal pour homicide. Hugo. Désolé. On prenait juste la déposition d'un témoin, il n'avait pas à formuler d'accusation. Pas besoin d'un détecteur de mensonges pour savoir que ce type ment comme un arracheur de dents, d'accord? Écoutez, moi aussi je le trouve antipathique, mais ce n'est pas une raison pour lui faire un procès d'intention. On dirait que vous en faites une affaire personnelle. Pourquoi? Pourquoi? Une jeune fille est à l'hôpital entre la vie et la mort, ça vous suffit pas, ça? Vous avez un problème avec Hugo? C'est plutôt lui qui a un problème avec moi. C'est un solitaire, il a peur de tout ce qui est lui. Alors pourquoi vous m'avez collé directement dans ses pattes? Pour lui forcer la main. L'obliger à faire rapidement connaissance avec vous. Et quand il se sera habitué à vous, vous verrez. C'est un type formidable. Et vous, vous le connaissez depuis longtemps? 15 ans. En fac de sciences, il a été mon prof et mon directeur de thèse. Quoi, ce type a été prof? Votre prof? Et comment se fait-il qu'il soit sous vos ordres maintenant? Les aléas de la vie. De toute façon, entre lui et moi, la hiérarchie n'a aucune espèce d'importance. Oh là 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 là, mais c'est de la bombe cette gonzesse! C'est quoi cette façon de parler des femmes? Non mais ça va, c'est pas méchant, tu me connais. Oui, bah justement. Et elle, t'es gentille, t'y touches pas. Ah ouais? Et pourquoi? Y a pas de loi qui dit... Si, que... les histoires de cul dans une équipe, on sait ce que ça donne, hein. Ah ouais, ça donne quoi? Rien de bon. Crois dans ma vieille expérience. Ouh là 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 là, attends, ça veut dire quoi ça? T'as couché avec qui dans le service? Mais t'es idiot, tu le fais exprès. Personne, je parle en général. Ah, dommage. Y a ta comparaison Aden qui t'appelle. On peut te déranger? C'est le flacon de diazépam retrouvé dans la poubelle. Pas d'empreinte dessus. S'il est vide et sans aucune empreinte, c'est qu'il a été nettoyé. Et le meurtrier a laissé près de la piscine l'autre flacon avec les empreintes de De Castro pour faire croire au suicide. Et le sang sur le torchon? J'ai vérifié l'ADN, c'est bien celui de De Castro. L'assassin a dû servir du torchon pour tout nettoyer. Et là-dessus non plus, il n'a pas laissé la moindre trace. Et voyez avec Hugo, il avait trouvé une ordonnance chez De Castro. Il n'y a pas de quoi. Eh, ça l'écorcherait de dire merci ou bon boulot ah, le compliment est une notion qui est un peu étrangère à Marc. Lui, il considère que c'est juste normal de bien travailler. Mais c'est dingue, depuis 18 mois que je bosse ici, mais je crois que j'ai jamais vu rigoler. Moi aussi, mais c'était avant. Avant quoi? Avant qu'il rigole plus. C08-2005H en vue d'une extraction d'ADN. Un drap blanc avec des traces probables de sperme et de liquide séminal. Comparaison prévue des échantillons avec les ADN de Nadine et Thierry De Castro. De la musique en travaillant? Ça m'aide à me concentrer. C'est drôle, moi aussi, j'ai souvent du mal à me séparer de mon MP3. Bon, là, bien sûr, je me permets pas trop, mais... Permettez-vous. Ici, peu importe le style. Enfin, du moment que les marges d'erreur restent proches de zéro, bien entendu. Vous me cherchez? Non, je venais prendre du révélateur. Dites-moi, je peux vous poser une question? C'est quoi cette photo de cadavre sur le mur de votre bureau? Quelles sont les photos qu'on encadre et qu'on accroche au mur en général? Les souvenirs. Ah, le temps qui vous était imparti est écoulé.
Ces analyses ADN prouvent que vous avez un amant, madame. Alors, pour la énième fois, je répète ma question. De qui s'agit-il? Votre mari ayant été assassiné, vous comprendrez que le nom de cet homme est devenu d'une importance capitale pour l'enquête. Si vous ne nous aidez pas, madame, le procureur va demander des prélèvements ADN sur tout votre carnet d'adresses. Ouais, est-ce qu'il fait toujours mauvais genre? Et tôt ou tard, on mettra un nom sur cet ADN, madame, forcément. Après tout, qu'est-ce que ça peut bien faire? On n'est pour rien dans cette affaire, Arnaud et moi. Arnaud? Arnaud Legendre, associé de votre mari? Oui. Mais ça n'a aucun rapport avec la mort de Thierry. Quelle bonne raison aurait-on eu de le tuer? Votre mari avait une grosse fortune personnelle dont vous allez hériter. Vous et votre amant auriez pu vouloir en profiter. Ce que vous insinuez est ignoble. Je m'en vais. Vous m'avez pas bien compris, madame. Vous êtes en garde à vue. Et Monsieur Legendre ne va pas tarder à vous y rejoindre. Eh bien, j'appelle mon avocat. Ça, c'est le même modèle de frigo que celui que j'ai retrouvé derrière le comptoir du bar. Oh. Hein? Oh, pardon. Et ça, c'est le serpentin qui a brûlé derrière le vrai frigo du bar. Je vais le monter sur cet appareil. Je peux vous aider? Non, merci, ça va. Éloignez-vous, je vais le brancher. Donc, ça ne venait pas d'un défaut de la prise? Non, mais du serpentin. Il était sale, plein de poussière et de graisse, et ça a provoqué un effet joule. Et donc un court-circuit, c'était absolument imprévisible. Et avec la bouteille d'essence de térébenthine à proximité, ça s'est embrasé en moins de deux. Mais c'était un accident. Oui, c'est moi. Quand? Merci bien. C'était l'hôpital. La jeune fille vient de mourir. Tu veux que je regarde exactement? Un truc bizarre sur la chevalière de De Castro. La bactérie Thermus aquaticus. En personne. Qu'est-ce qu'elle vient faire sur cette bague? Ce que je me demande. C'est une bactérie thermophile qui ne vit que dans de l'eau chaude à plus de 35 degrés. Or, De Castro est mort dans une piscine dont la température ne devait pas dépasser 25 ou 26. À moins qu'elle ne soit chauffée et qu'on en ait monté le thermostat. Le thermostat est à 25 degrés. Il a été remis à sa position d'origine. Il a bien été monté jusqu'à 35, regarde. Une trace. Sur la poudre magnétique, on va faire une recherche d'empreintes. Te fais pas trop d'illusions. Le meurtrier est malin. En réchauffant l'eau, il a voulu brouiller notre évaluation de l'heure du décès. Ouais. Le fait que le corps de De Castro soit resté dans une eau à 35 degrés a forcément ralenti la chute de sa température. Rien. Donc De Castro n'est pas mort entre 9h30 et 10h. Mais au moins une heure avant. Ce qui remet quasiment tout le monde en jeu, sa femme, son fils, son associé. Je l'ai passé au révélateur et puis au comparateur. Elle a été manipulée par deux personnes. De Castro, ça c'est logique. Et Yannick, son fils, ça c'est moins logique. La question est de savoir ce qu'il a fait avec cette ordonnance. Il a acheté deux flacons de diazépam. Mes gars ont fait le tour des pharmacies. Yannick De Castro est passé avec cette ordonnance la veille du décès de son père. Après avoir mis sa femme en garde à vue, maintenant c'est au fils de la victime que vous vous en prenez. Mais où va-t-on? Simplement vers la vérité, maître Brentz. Nous sommes en possession d'éléments nouveaux qui demandent quelques éclaircissements. Vous reconnaissez cette ordonnance? Non. Pourtant, vous l'avez eu entre vos mains. On a isolé vos empreintes dessus. Ouais. Bah ouais, je sais pas, peut-être. Ouais, c'est pour les médicaments de mon père.
Pour être vétriné quelque part, je l'ai bougé, un truc comme ça. Tu mens. Je ne vous permets pas. Un pharmacien de ton quartier dit que la veille de la mort de ton père, tu es venu acheter 2 flacons de diazépam avec cette ordonnance. Mais c'est mon père qui m'avait demandé de les acheter. Le matin de sa mort, vous avez dit avoir vu votre père total destroy, je crois que ce sont vos mots. Cependant, vous n'avez rien fait. Vous n'avez pas senti qu'il était dans un état grave? Si vous croyez que j'avais la moindre influence sur lui. Puis dans son état, comme vous dites. Si j'avais dit le moindre mot, il m'en aurait collé une, comme d'habitude. C'est tout. Bien. Pas d'autres questions? Pas pour l'instant. On devrait être amené à se revoir. Monsieur de Castro. Un type alcoolique et dépressif que sa femme trompait et qui avait la main lourde sur son fils, une jolie petite famille. Maître Brenz. Pourquoi faut-il que vous retrouviez toujours du côté des coupables et non des victimes? Je me retrouve du côté de ceux qui me paient, monsieur Morand. Et puis je vous rappelle qu'ayant perdu son père, mon jeune client est avant tout une victime. Et l'usine pourrie qui a empoisonné plus de 150 de ses ouvriers que vous défendez, elle est peut-être pas coupable, elle? Le cas de votre père, aussi dramatique soit-il, n'a rien à voir avec l'affaire qui nous occupe aujourd'hui. Ne mélangeons pas tout, s'il vous plaît. Bonne fin de journée, monsieur Morand. Va te faire foutre. Tu es une perle rare. Mais dis donc, ça fait un bail qu'un homme ne m'a pas dit ça. C'est pas désagréable, hein? Si tu l'as laissé s'approcher aussi. C'est ce que j'ai fait pendant des années, pour quel résultat, hein? Non, non. Maintenant, j'attends le seul. L'unique. Eh ben, bon courage. Vous allez où? Les traces prélevées sur l'issue de secours, c'est de la peinture gris métallisée. Et alors? Alors le propriétaire du bar a une voiture de cette couleur-là. Comment vous savez ça? Sixième sens. Et vous, qu'est-ce que vous faites, là? Vous restez là? Vous venez pas avec moi? Ah ben, je sais pas, moi. D'habitude, vous essayez de me semer. Alors, on y va. Oui, Alessandra. Je t'ai parlé d'un certain nombre d'échymoses sur le corps de De Castro. Mais regarde, il y en a une qui me chagrine particulièrement. Celle-là. Vous savez, elle est pas ordinaire. Les contours sont très définis. Oui, t'as raison, c'est comme s'il avait été marqué. Vous savez, il y a des petits points. C'est curieux. Ça ressemble à une empreinte. Un peu comme si un objet avait fait pression à cet endroit-là. Tu peux m'en faire une macro et me la transférer par email? Je peux. Très bien. À plus tard. Chez moi, en Italie, il y a un proverbe qui dit qu'un mot aimable, c'est comme un jour de printemps. C'est italien, ça? Dire un proverbe chinois? Non, les Chinois n'ont pas le monopole du printemps. Merci, Alessandra. Quel bel effort. Juste une petite vérification, trois fois rien, la routine, quoi. Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais la jeune fille handicapée, ben elle est morte. Y a rien de ce côté-là. Hugo? Ça a l'air de coïncider. Monsieur Wolf. J'espère que vous avez une bonne raison pour avoir garé votre voiture devant la seule issue de secours. Répondez. Répondez. La semaine dernière, par deux fois, des jeunes cons sont passés par cette issue de secours pour cambrioler la caisse. J'ai perdu la recette de deux soirées. Si j'ai mis ma voiture devant la porte, c'est pour les empêcher de recommencer. Une jeune fille est morte. Pour sauver votre recette? Allez, venez. Thank you.
Tu es le seul fils de la famille. Cette chevalière avec le blason des deux Castro. Je suppose que t'en as une, toi aussi. Bah ouais. Et alors? Alors c'est elle qui vous a trahi, Yannick. Quoi? Tu nous as menti. Après le départ de ta mère, tu n'es pas parti tout de suite à la fac. Tu es resté seul avec ton père. Je me trompe? Entre vous et votre père, ça se passait mal depuis longtemps, n'est-ce pas? Peut-être même depuis votre enfance. Vous n'en pouviez plus de lui, c'est ça? J'en pouvais plus de ses humiliations. Alors, tu te dépêches, petit con! J'arrive, papa, j'arrive! De ses coups. Alors! Oui, papa, j'arrive, c'est bon. De sa sueur. Qui sentait l'alcool. Du matin au soir. C'est quoi ce plateau? Tu te fous de ma gueule? Non, mais puisque tu me prends pour ton larbin. Allez, casse-toi! Con! Jamais, espèce d'ivrogne, plus jamais. Ensuite, vous l'avez tiré par le bras pour l'entraîner jusqu'à la piscine. En chemin, sûrement sans même vous en apercevoir, vous lui avez déboîté l'épaule. Quand vous êtes arrivé à la piscine, qu'est-ce qui s'est passé? Il a repris connaissance. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, Aurélie? Anne! Mais j'étais allé trop loin, là. Je pouvais plus reculer. Et c'est là que vous avez laissé la trace de votre chevalière. Vous vous souvenez de la couleur de la voiture de Wolf? Un jour, toi aussi, tu verras des tas de détails que le commun des mortels ne voit pas. Alors? On regarde? Peut-être bien, oui. Au fait, je dîne chez toi ce soir. J'ai croisé Cécile, elle m'a invité. Votre femme? Ah non, ma fille. Bon, je vous laisse. Pourquoi il court comme ça? Ah, il fait ça depuis longtemps. Depuis que je le connais, c'est sa soupape. Petite fille chérie. Ça va? Oui, ça va. Tiens, je te présente Julie, qui travaille avec nous. Bonjour, Cécile. Enchantée. Dis-moi, je suis passée pour inviter Marc à dîner et je me suis dit qu'on pouvait peut-être rentrer ensemble. Entendu. À bientôt. Au revoir. Ça va, je peux le faire. Hein. T'as passé une bonne journée? Bah ouais. On va faire des coups.